Bonjour, du coup moi aujourd'hui je vais vous parler d'environnement de développement et notamment comment maximiser l'expérience des développeurs sur leur environnement de développement tout en minimisant les coûts en utilisant principalement du coup Cube et Argo CD et Istio. Du coup si je me présente moi je m'appelle Sacha, je bosse chez Paddock depuis maintenant 1 an et demi. Paddock, donc on est, Arthur l'avait présenté hier, mais donc on est une boîte de service dans tout ce qui est infrastructure, principalement dans le cloud, mais pas que. Et donc on va aider des entreprises de toute taille à améliorer ou développer leur infrastructure sur des missions de différentes durées. Comme je l'ai dit, moi ça fait 1 an et demi que je travaille là-bas et une des premières missions sur lesquelles j'ai travaillé et que j'avais déjà présenté en meet-up l'année dernière, c'était de créer des environnements de développement à la volée pour une boîte où il y avait environ à ce moment-là 60-70 développeurs. En fait, ces développeurs n'avaient pas d'environnement de dev commun. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient chacun une machine dans le cloud qui, du coup, genre, mettait vraiment très longtemps à démarrer parce qu'il y avait une cinquantaine d'applications au startup de la machine. Et en fait, ils avaient beaucoup de problèmes parce que chaque machine n'était pas à jour avec les dernières versions de prod, etc., etc. Donc, à chaque fois qu'ils envoyaient leurs modifs sur des envs de QA, bah, ça se pluguait jamais bien avec les autres applications des autres développeurs, voire des autres équipes. Du coup, aujourd'hui, je vais revenir justement un peu sur cette mission pour vous représenter un peu ce qu'on avait fait. À ce moment-là, on n'avait pas du tout utilisé Istio, on faisait vraiment des environnements complets de dev à la volée dans le cloud. Et justement, bah, je vais vous représenter ce qu'on a fait et les limites qu'on a trouvées du coup aux technos qu'on utilisait et notamment le coût, enfin le coût de cette plateforme. Et ensuite, du coup, bah, je vais vous présenter ce qu'on a mis en place derrière chez un autre client où en fait on s'est un peu rebasé sur le même truc, mais on s'est demandé est-ce qu'on pouvait pas réduire en fait le coût et le nombre d'apps qu'on devait déployer à chaque fois qu'on voulait créer un environnement en se basant uniquement sur des headers pour faire le routing. Et forcément, bah, je vous ferai une petite démo parce que sinon c'est pas drôle. Donc, les premiers environnements de dev à la volée qu'on a créés, l'idée globalement c'était ça, c'était chaque équipe devait avoir un environnement. Les équipes étaient il y avait environ 5 à 5, 6, 7 devs peut-être par équipe. Et donc l'idée c'était chaque équipe pouvait avoir un environnement dans le cloud où du coup tout par défaut toutes les applications étaient déployées avec la version de prod et en fait avoir un mécanisme qui du coup redescendait les versions de prod régulièrement pour être sûr que chaque environnement était à jour et rajouter une option pour en fait que chaque équipe, chaque développeur au sein d'une équipe puisse en fait override la version qui est déployée d'une application pour pouvoir tester ses modifications, l'intégration avec le reste avant de pouvoir l'envoyer en staging. Ça, c'est en gros la mission qu'on nous a confiée et voici un peu comment on s'est débrouillé. Je vais vous reparler très rapidement d'Argo CD pour ceux qui connaît Argo CD ici et qui l'a déjà utilisé. Ok, bah du coup, Argo CD, c'est un outil de GitOps qu'on peut installer dans un cluster et qui se base sur un truc très cool qui est en fait tu vas lui donner des droits en fait à un ou plusieurs repos d'ailleurs et en fait tu lui dis watch ce repo, watch ce directory et déploie ce qui est dedans et tu peux déployer ce qui est dedans que ce soit des charts Helm que ce soit juste des raw manifestes qu'il y ait du customize, t'as tout ça que tu peux configurer dans les options. Donc ça se base en fait sur plusieurs CRD. Celle qui va nous intéresser ici, c'est les applications. Et donc c'est dans une application au sens d'Argo CD que tu vas définir bah, le repo URL, le target directory, etc., etc. Et en fait, bah ouais, Argo CD, il va watch ça et il va apply dans ton cluster. Ce qui est très sympa avec Argo CD, c'est que du coup, tu peux définir aussi une application qui va watch toutes tes applications. Et qui du coup va à chaque fois que tu vas vouloir déployer quelque chose, juste tu rajoutes une application et Argo CD il se débrouille tout seul. Tu n'as absolument pas besoin d'apply les applications une fois que tu as fait la première install parce qu'il va réussir à se synchroniser lui-même. Et aussi Argo CD vient avec une interface un peu cool où en fait sur chaque application tu peux avoir un détail de tout ce qui est déployé dedans. Donc là c'est une app, bah, je vous la montrerai pendant la démo. On voit on a une config map, un service account, un deployment.
Et en fait, lui, il déploie le deployment, mais il est capable de te dire que derrière, il y a un réplica set et des pods et tout ça. Et donc, ça permet aussi de donner une bonne visibilité et une meilleure compréhension aux développeurs de ce qui va se passer dans le cluster. On a vraiment eu beaucoup de bons retours vis-à-vis de l'utilisation de cet outil de la part des développeurs. Et donc, très grosse maille, ce qu'on a mis en place, c'est ça. Donc, on avait un repo en fait de GitOps qui s'appelait le repo d'intégration. Où du coup, il y avait une branche main qui en fait allait s'occuper de synchroniser Argo et Image Updater. Je reviendrai sur cet outil juste après. Et de déployer tout ce qu'il y avait un peu de besoin de commun dans le cluster et dans les environnements. Donc, l'Ingress Controller, le Cert Manager, le Prometheus et plein d'outils dans ce genre-là. Et l'idée après, derrière, c'était de générer des branches d'environnement. Donc, Environment slash Team A, par exemple. Et du coup, on allait avoir une application qui allait watcher tout ce qui se passe sur cette branche-là et déployer en fait toutes les applications de la stack technique du client dans un namespace Team A. L'idée, c'était ça. Il y a plusieurs problèmes avec ça. Un, comment tu génères les branches de manière un peu transparente pour les devs, parce que tu n'as pas forcément envie qu'ils aient à écrire des applications Argo, machin, etc., etc. Donc ça, on l'a automatisé au maximum. L'idée, c'est qu'en fait, on allait générer la branche avec un script. Et en fait, on avait créé des charts template qu'on overridait avec AmpSups par-dessus. Notamment parce que, en fait, avec ce principe-là, bah, en fait, tu peux pas avoir ton application qui est déployée 10 fois derrière le même ingress. Donc, il fallait pouvoir respécifier les ingress host à chaque fois, etc. Pareil, il y a quelques variables d'env. Qui étaient vraiment très environment spécifiques et du coup qu'il fallait pouvoir override. Et donc l'idée c'est on crée cette branche, on passe un coup sur les templates, on met tous les charts au bon endroit, etc. etc. sur cette branche et ensuite ça trigger une GitHub action qui vient en fait se mettre sur la branche main, donc qui est déployée par Argo CD, mais qui elle va watch quelque chose qui se passe du coup sur la branche environnement. Parce que en fait dans les applications Argo CD, tu peux aussi sélectionner la branche. Que tu veux watch au niveau de ton repo. Et derrière, on avait wrappé tout ça dans un truc qu'on appelait le chart environnement, qui était en fait un chart qui déployait plein d'applications Argo CD pour justement aller déployer toutes les applications. Donc en fait, on ne redéployait qu'un chart qui s'occupait de redéployer tout le reste. Ensuite, comme je vous ai dit, l'idée c'était d'avoir des versions qui redescendaient automatiquement dans l'environnement de développement. Pour être sûr que c'était toujours à jour avec la prod. Et donc pour ça, on s'est servi d'un outil qui s'appelle Argo CD Image Updater. Donc il y a un petit outil qu'on peut installer en plus d'Argo qui d'ailleurs il commence à l'intégrer en fait dans le ba de base dans Argo CD. Et donc en fait c'est un outil assez simple. En fait il fait une boucle de réconciliation qu'on peut paramétrer. Et donc en fait il vient checker via une annotation, la version qui est d'une application que tu as déployée dans un cluster. Il va vérifier dans ton registry d'images s'il n'y a pas des nouvelles versions. Tu peux bien sûr spécifier quelle version tu veux avec des regex, etc. S'il voit qu'il y en a une nouvelle, il va lui-même aller commit dans le repo d'Argo CD, en fait, la nouvelle version à déployer. Et du coup, après, bah, Argo CD va synchroniser la nouvelle version et ça va être déployé dans Cube. Et donc en fait, cette boucle de réconciliation, elle était faite toutes les 2 minutes. Et donc ça nous assurait que s'il y avait une nouvelle version qui était ship en prod, dans le worst case, ça mettait 5 minutes en fait à arriver dans tous les envs de dev. Mais l'idée, c'était aussi de pouvoir override en fait ces versions, parce que l'idée, c'est que les devs puissent tester en fait leur nouvelle version de développement. Donc pour ça, en fait, c'est juste une petite logique que je vous ai réécrit là, qu'on avait intégrée dans tous les charts applicatifs. Et c'était classiquement, ce qu'on a dans les sharp applicatifs, c'est image.tag de point. Et nous, on avait rajouté un image.override tag de point. Et du coup, quand on set en fait cet override tag, bah, c'est lui qui prend le dessus. Et comme ImageUpdater, lui, ce qu'il fait, c'est updater le tag. Et ben en fait, c'est l'override tag qui prend le dessus. Tu déploies ta nouvelle version, tu testes, t'enlèves ton override tag et ça redéploie la version que tu es censé avoir en prod. Voilà. Alors, on a eu quelques petits problèmes avec tout ce système. Le premier, ça a été du coup avec Image Updater que je viens de vous présenter là. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur un container registry, on ne peut pas faire plus de 10 000 requêtes par tranche de 10 minutes par IP. Ce qui paraît énorme, mais ce qui n'est pas si gros que ça dans notre cas là. Pourquoi? Parce que en fait, là, la boucle que je vous ai montrée avec Image Updater, elle est
un peu simplifié. En pratique, il ne va pas faire qu'une seule query par app au container registry, il va en faire 3-4. Ce qui fait que quand on avait déployé 50-60 apps 11 fois dans le cluster et que toutes les 10, et que toutes les 2 minutes, il allait du coup faire sur ces 60 fois 11 apps les 3 queries, et ben, il y a un moment donné où Image Updater, en fait le nœud où se trouvait Image Updater s'est fait flag comme... Enfin, l'IP, enfin, ouais, on s'est fait flag comme ne pouvant plus pool d'images sur des containers registry, donc on ne pouvait plus pool les images du client et on pouvait même plus pool sur des registries publics, genre on pouvait plus pool d'images Postgres. Ce qui a été un gros problème. Et Argo CD, pareil, un problème qu'on a rencontré, c'est qu'il gère très mal le multibranching. Pourquoi? Argo CD, en fait, on peut le brancher sur N repo et on peut lui faire watch n'importe quelle branche sur ses repos. Sauf que son système de caching fonctionne par repo et pas par repo par branche. Ce qui faisait qu'à chaque fois qu'il voulait synchro un environnement ou que tu poussais une modif, etc., etc., il virait tout son cache, il switchait de branche, il repoulait, etc., etc., ce qui a beaucoup ralenti Argo. Pour ces deux trucs-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a shardé les outils et ça a réglé nos problèmes. Globalement, du coup, ce qu'on faisait, c'est que pour Image Updater et Argo CD, en fait, on les a aussi intégrés dans le chart environnement. Et du coup, à chaque fois qu'on redéployait un environnement, ça redéployait un Argo CD juste pour cet environnement et un Image Updater avec. Du coup, Argo CD, au lieu de devoir synchroniser 600 applications, il devait juste gérer les 60 qu'il y avait dans cet environnement. Et chaque Argo CD et chaque Image Updater s'occupait plus que de 60 apps au lieu de 600. Et du coup, ça a permis de bypass, entre guillemets, cette limite au niveau des containers registry. Problème, ça augmente déjà le coût de l'environnement parce que, pas tant Image Updater, mais Argo CD, c'est quand même un outil qui peut consommer un peu. Et ça rajoute quand même un overhead de maintain au niveau de l'environnement, d'avoir tout ce mécanisme un peu plus compliqué. Aussi, du coup, j'ai commencé à introduire les coûts. Ce qu'on avait voulu faire, forcément, comme c'est des environnements de dev, c'était éteindre les environnements la nuit et les rallumer le matin. Sauf qu'il s'avère qu'on a réussi à péter l'admission controller de GKE comme ça. Parce que quand au matin on lui a demandé de wake up 600 apps Argo CD, il s'est mis en timeout et il a jamais réussi à réconcilier l'état. On avait ouvert un ticket à GCP à l'époque, ils nous ont dit arrêtez de déployer 600 apps d'un coup tous les matins à 7h, ça devrait aider, et voilà. Ouais, pour ça, tu sais, GKE ils ont 3 niveaux de puissance, c'est-à-dire que si jamais ton cluster est en dessous de 10 de 10 nodes, ils ont une puissance très faible. S'il est entre 10 et 100, ils ont plus de puissance. Et s'ils sont au-dessus de 100, ils ont encore plus de puissance. Ouais, mais l'idée, c'était de passer de, du coup, 0 node à autant de nodes que possible le matin. C'est pour ça que souvent, il faut le voir même. En fait, passe ton cluster à plus de 100, puis redescends-le une fois. Et ouais, cluster, du coup... Il change de niveau de SL. Du coup, nous, ce qu'on avait fait pour le coup, c'est qu'en fait, on avait mis un allumage... Autant pour l'éteinte, il n'y avait pas de problème. Et en fait, on avait fait un allumage progressif. En fait, on commençait le truc beaucoup plus tôt. Et en fait, toutes les 20 minutes, on startait un env et ça permettait de calmer un peu la pression au niveau de l'admission controller, mais du coup en fait ça fait que le startup time est tellement plus long que en fait tu perds 4 heures de compute par jour et donc tu diminues pas forcément beaucoup tes coûts. Et du coup à combien ça revenait un peu toute cette histoire, parce que c'est aussi pour ça qu'on a essayé de trouver un nouveau système. Argo CD, donc on avait des nodes pool dédiées, donc pour Argo CD, un pour tout ce qui est système, donc que je vous avais présenté, qui était du coup notre Ingress Controller, notre Set Manager et notre Prom. On avait aussi un Kong qui se baladait, mais c'est pour d'autres raisons. Après, on avait un autre pool par environnement. Et donc Argo CD, voilà, on a à peu près 430 dollars de notre pool par mois, le système environ 100 dollars, et un environnement ça revenait à un peu moins de 250. Et du coup, avec nos 11 environnements, on avait un système qui coûtait globalement 3300 dollars par mois. Ce qui était acceptable pour le client. Mais nous, on s'est demandé comment on pouvait faire... Il y a deux questions qu'on s'est posées. C'est un, comment on peut faire moins cher, parce que ce n'est pas forcément acceptable pour tous les clients. Et deux, surtout, comment on fait en sorte de donner encore plus de flexibilité aux développeurs
Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui on a un environnement par équipe. Alors ça va, ils s'arrangent parce que du coup pour quelle version ils veulent déployer dans l'environnement, ils n'ont plus qu'à synchroniser entre 5 et 6 personnes au lieu de plus de 50 développeurs, ce qui est quand même déjà beaucoup mieux. Mais nous, dans notre idée, ce qu'on voudrait, c'était que ça soit que chaque développeur puisse pop un environnement quand il en a besoin et tester ses modifs et puis juste dinde son environnement. Du coup, c'est ce que je présente là. Par contre, il y a quand même beaucoup d'avantages que le client nous a remonté. C'est que les développeurs ont adoré Argo CD. Une des grosses victoires de ce projet, c'était quand même qu'on a réussi à former 50, plus de 50 développeurs sur Kubernetes en 5 mois. Alors, chacun à différents niveaux, mais aujourd'hui, c'est des développeurs qui maintiennent cet environnement depuis un an et on a repris contact avec eux et tout se passe très bien. Il y a aussi, du coup, bah, même si on n'est toujours pas sur un système d'environnement par personne, mais par équipe, bah, ça réduit quand même les frictions qu'il y a entre les équipes et donc c'est quand même plutôt. Plutôt assez bien et ils ont beaucoup réduit les problèmes en fait de passage en staging et QA parce que en fait tous les environnements ont la même baseline de version et du coup il y a beaucoup beaucoup moins de problèmes d'interaction entre les apps et donc ils arrivent à shipper des trucs en production plus vite. Maintenant je vais vous présenter un peu ce à quoi on a pensé après et qu'on a eu le temps de mettre en place chez un autre client et donc ça tourne actuellement dans une infrastructure où il y a plus de Il y a plus d'une centaine de développeurs. Donc ça fonctionne plutôt bien. L'idée est simple, c'est au lieu de déployer un environnement entier, on veut avoir une version baseline de notre application et pouvoir dire, ok, je déploie une nouvelle version de cette application. Et le seul moyen que j'ai de router dessus, c'est de rajouter un header particulier. Donc si je ne rajoute pas ce header, je vais taper sur l'application version baseline. Mais par contre, si je rajoute mon header, eh ben, je vais taper sur la nouvelle version. Et donc pour ça, on s'est servi d'Istio. Pareil ici, qui connaît Istio, qui se sert d'Istio. Ok. Istio, c'est un service mesh. Globalement, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir un contrôleur qui s'appelle Istio-D, qui va et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va ce contrôleur, il va injecter à, enfin en tout cas pour tous les pods où vous signifiez que vous le voulez, va injecter un proxy Envoy en sidecar devant, qui va du coup intercepter donc toutes les requêtes qui sont censées aller sur votre conteneur. Et globalement, ça va changer beaucoup de choses au niveau du network aussi dans votre cluster, puisque vous n'avez plus besoin de passer par des ingress. On passe par ce qu'on appelle des Istio Gateway, qui derrière vont taper sur des virtual services qui globalement sont quelque chose qu'on rajoute devant le service où il y a plein de paramètres, mais nous, ça ne va pas forcément beaucoup nous servir ici. Et derrière, ça tape sur le service et ça va dans le pod, mais en passant par l'Envoy Proxy. Le gros avantage de ça et des services mesh, c'est bien sûr l'observabilité dans votre cluster et un niveau de sécurité en plus parce que ça permet de faire du TLS in cluster. Et en fait, ça permet aussi de configurer plein d'autres choses au niveau du réseau, notamment entre l'Istio Gateway, les virtual services. Et il y a d'autres CRD qui existent, mais dont on ne va pas se servir là pour cet environnement-là. Mais il faut savoir que ça permet de faire vraiment plein de choses au niveau du réseau dans votre cluster. Du coup, je vous ai parlé des applications Argo CD dans la première partie. Maintenant, je vais vous parler des application sets. Globalement, un application set, c'est quelque chose qui va réussir à générer lui-même des applications Argo CD. Donc, en fait, dans la CRD, on définit un générateur qui peut être de plusieurs types qui sont référencés sur la doc d'Argo CD. Nous, ce qu'on va servir, c'est un pull request generator. Donc en fait, qu'est-ce que va faire l'application set? Ça va watch toutes les pull requests sur un repo donné. Et dans notre cas, si la pull request match certains labels, en fait, ça va générer une application Argo CD en fonction de ce qu'il va trouver sur la branche d'où est émis la pull request. Et donc l'idée du nouvel environnement, en fait, c'est ça. C'est d'avoir ici en fait notre application Argo CD Baseline qui va déployer. Ici, j'ai représenté que le virtual service et le pod vert parce que c'est ce qui nous intéresse. Et en fait, d'avoir un application set qui va watch les PR sur notre repo de GitOps et qui va générer des applications Argo CD et déployer la nouvelle version du pod avec du coup des petites modifications au niveau du virtual service pour spécifier le fait qu'on ne route de ce côté-là que si on a un header spécifique.││
Et ensuite, c'est la gateway Istio qui va s'occuper d'aller taper sur l'un ou sur l'autre. Il faut savoir que ce qui est cool, c'est qu'on peut avoir plusieurs virtual services qui pointent vers le même service. Mais à une seule condition, c'est d'avoir une Istio Gateway derrière. Donc ça veut dire que ce principe que je suis en train de vous présenter fait qu'on peut pas à chaque fois, il faut ressortir en fait du cluster. On peut pas garder la communication que in cluster, c'est une des limitations. Mais au-delà de ça, sinon ça fonctionne très bien. Et du coup, bah, c'est parti pour la petite démo. Alors normalement, j'ai vérifié ce matin que ça fonctionnait. du coup, si on va sur Argo CD, pour ceux qui connaissent pas Argo CD, ça c'est la page qui recense en fait toutes les applications Argo CD. Et du coup, moi je vais juste cliquer sur l'Application Manager. L'Application Manager, c'est un peu le Environment Chart que je vous ai présenté, qu'on avait mis en place chez notre client. C'est un chart qui va déployer des applications Argo CD. Et ensuite, au niveau de l'application Argo CD, bah, ça va déployer ce que c'est censé watch. Donc là, on voit toutes les applications qu'on a. Et ce qui va nous, donc, on voit ici celles qui vont nous intéresser. Donc j'ai déployé une fois avec une application un demo header back et un demo header front. Et en fait, derrière, on a des application sets, demo header back et demo header front. Et là, on voit que ces deux-là, elles ont généré chacun une application. Comment ? Parce que en fait, sur notre repo de GitOps qui représente notre cluster de test en fait, hein, chez Paddock. Je vais dans les pull requests et en fait ici j'ai une PR, on voit les labels qui sont en fait preview et demo header back que je peux voir configurer. Hop. Ici, donc en fait ici on a notre pull request generator qui dit vérifie donc toutes les pull requests qui vont avoir le label preview et demo header back. Et au niveau de ce qu'on change, le seul truc qui nous intéresse, c'est ça, c'est qu'en fait, on a rajouté un deuxième fichier de values où en fait, on lui dit, OK, on a enable la preview et la valeur du header qu'on veut que tu watch, c'est test MVP. On met juste la valeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on crée le header ici dynamiquement avec le release.name. Donc en fait, le header, ça va être nom de l'application tiret numéro de la PR. Et comme ça, en fait, il n'y a jamais de problème de conflit de header. Et donc là, en fait, ce qu'on lui dit, c'est ouais, enable là. La value qu'on doit passer au header, c'est test MVP. Et du coup, là, la version que tu dois déployer, bah, c'est la V0.2.0. Voilà, globalement. Et donc, ce qu'on peut voir encore d'intéressant, peut-être, c'est effectivement au niveau. Là, si je vais là, on voit effectivement que la version originale qui est déployée, en fait, c'est la V0.1.0. Et si je retourne sur celle qui est déployée par l'application set, on verra ici qu'il y a écrit V0.2.0. Pour des soucis de rapidité d'internet, je vais peut-être pas attendre que ça recharge. Parce que le partage de co, c'est pas fou. Du coup, je vais juste vous présenter un peu ces deux apps et comment on peut se servir de tout ce système maintenant. Ces deux apps, vraiment très simples. Hein, mon bac, par défaut, tout ce qu'il fait, c'est renvoyer message de point Hello World. Et mon front, qui vous allez voir, est vraiment très très joli. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend le message et il l'affiche. Voilà. Et donc, sur Chrome et bon, dans mon cas Chromium, on a un plugin qui s'appelle le Header Editor. Donc j'ai déjà tout préparé ici, mais on peut aller voir un peu comment c'est configuré. Globalement, bon là c'est juste un M pour que lui il l'affiche. Et je lui dis bah, rajoute un header xdemo header back-3-version avec cette valeur là. Et tu changes toutes les requêtes. Là on voit qu'il est désactivé. Je vais l'activer. Et quand je reload le bac, bah du coup, il ne m'affiche plus Hello World, il m'affiche Hello There. Ce qui est vachement cool, c'est que du coup, j'ai absolument pas eu besoin de changer mon URL comme c'était le cas avant. J'ai juste vraiment réactivé le header. Et en fait, ces headers, ils vont se passer de call applicatif en call applicatif. Donc, si je reload le front, il m'affiche Hello There. Je peux en rajouter, a priori, plusieurs. J'ai aussi une nouvelle version de mon front que je veux tester. Donc, au niveau du bac, si je reload, ça change absolument rien. Et au niveau du front, c'est une modification incroyable
qui va nous l'afficher en plus gros. Voilà. Et ça marche forcément du coup dans l'autre sens. Si je désactive en fait le header du back et que je retourne sur le front, et bah je vais voir un joli Hello World en plus gros. Voilà. Et donc en fait on peut chaîner les. Donc en fait on a vraiment cette baseline d'applicatifs stable. Et on peut redéployer en fait autant de fois qu'on veut finalement chaque applicatif. Et décider du chemin que ça va prendre en rajoutant une suite de headers comme ça. Je vais retourner sur la presse. Du coup, si on reprend les limitations qu'on avait avant, bah déjà, en fait, on n'a plus du tout besoin de sharder Image Updater. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a plus besoin que d'updater automatiquement la baseline. Donc en fait, dans le cas précédent, c'est 60 applications qu'on a besoin d'updater et pas 60 fois 11. Alors, on pourrait peut-être, si effectivement il y a 600 microservices dans le cluster, on risque peut-être d'atteindre le même problème, mais voilà. Et Argo CD, il a plus du tout besoin de handle 600 applications. Il a besoin d'en handle beaucoup moins parce que bah, en fait, ça ne va pas être en permanence déployé. C'est juste quand on va avoir besoin de tester une nouvelle version qu'il va en déployer une. Et puis surtout, globalement, c'est à part au niveau de l'application set, c'est quasiment monobranche. Donc en fait, pour la plupart du temps, il n'a pas besoin de faire son reset hard de son cache à chaque fois pour mettre à jour un environnement. Et donc ça à la fois diminue la conso dont Argo CD a besoin de base et sa performance, et on a aussi plus besoin de le sharder par environnement. Du coup, ce système, il est très bien, il marche très bien pour tout ce qui est call synchrone entre les applications. Je vais pas vous mentir, il y a encore des choses qu'on sait pas complètement faire, notamment pour tout ce qui est plutôt event-driven. C'est-à-dire si en fait on veut tester l'envoi d'un nouveau message et de le faire dépiler par un worker qui est une nouvelle version, on n'a pas encore de solution out of the box, on y réfléchit pas mal. Dans le cas des messages Redis, on se demande si ça vaut pas juste le coup de repop un petit Redis, parce que c'est vraiment pas très compliqué avec un chart dans un cluster pour un environnement de test, il n'y a pas besoin de HA ou quoi que ce soit. Dans le cas de systèmes de messages un peu plus compliqués comme Kafka, on est en train de se pencher sur le sujet. Nos deux pistes sont soit effectivement créer des topics un peu à la volée à chaque fois qu'on veut créer quelque chose, à voir comment ça pourrait s'intégrer de manière assez transparente dans tout ce workflow, ou sinon on est en train de checker si au niveau des messages il n'y a pas des métadatas un peu particulières qu'on pourrait passer pour dire qu'il n'y a que certains types de workers avec une certaine clé qui peuvent dépiler un message donné. Voilà, ça c'est encore en cours d'investigation. Et sur est-ce que vous devriez le mettre en place chez vous, et bah, la réponse, je dirais, bah, ça dépend. Pourquoi ? Parce que en fait, autant Argo CD, je le recommande vraiment pour tout le monde, que vous soyez une petite, une moyenne, une très grosse entreprise, c'est un outil qui est vraiment génial et qui simplifie la vie, que ce soit des ops ou des développeurs. Par contre, c'est pas du tout le cas d'Istio. Istio, c'est quand même un outil qui vient fondamentalement changer le network de votre cluster. Et c'est du coup un outil qui est forcément très sensible. Les mises à jour sont pas toujours hyper évidentes non plus à faire passer sur cet outil, sachant que à chaque fois ils sortent environ 3 à 4 versions par an et qu'ils en maintiennent que 2 ou 3. Donc c'est à dire qu'en fait il faut quand même faire passer une ou deux mises à jour par an, qui sont souvent assez painful. Et quand Istio ça pète, c'est pas toujours le truc le plus simple à débugger. Donc en fait, effectivement, si vous avez déjà, si vous êtes une petite entreprise, n'installez pas Istio juste pour faire ça. Et d'ailleurs, même si vous êtes une grosse entreprise qui n'utilisait pas Istio, je suis pas sûr que je recommanderais non plus d'installer Istio juste pour faire ça. Et du coup, c'est pour ça que sur un nouveau projet en ce moment, on est en train de regarder si on pourrait pas plutôt le faire avec un Trific. Ce qui est quand même beaucoup plus simple à utiliser qu'Istio, et ça a l'air de fonctionner, peut-être le prochain Rex. Ou avec Linkerd, qui est aussi un service mesh, mais qui a un service mesh beaucoup moins intrusif qu'Istio. Parce que en fait, pour se servir de Linkerd, on se sert toujours d'un ingress controller classique, etc., etc. Donc en fait, ça change beaucoup moins ce qui se passe à l'intérieur de votre cluster. Et du coup, si on revient sur les coûts, parce que c'était un peu le but de cette histoire, j'ai repris en fait, parce que comme je pouvais pas comparer les deux clients, parce que c'est pas, j'ai fait des approximations sur les coûts du premier client. Globalement, j'ai un peu boosté le prix de Argo CD et du NodePool System, parce que effectivement, en fait, en injectant des sidecars partout, bah, ça rajoute un petit overhead de consommation. À savoir que
En fait, on n'est pas obligé d'injecter les sidecars dans ces namespaces-là. Là, j'ai pris vraiment le cas où vous voulez déployer Istio, mais finalement, en fait, on n'a pas forcément besoin d'Istio dans Argo CD ni dans notre namespace système. Et surtout, quelque chose que j'ai pas pris en compte, c'est la baisse du prix du namespace Argo CD. Parce que, comme je disais, avant, on en avait 10 de déployés, maintenant, on n'en a plus qu'un. Ça va forcément baisser le prix. Mais du coup, en fait, là, comme ça, on compte pas du tout à notre avantage. Et je préfère compter quand même dans ce sens-là. Et du coup, par contre, là, on a quand même un overhead de price de l'environnement parce que lui, on a vraiment besoin qu'on ait les sidecars qui sont injectés partout. Et du coup, ce que j'ai considéré, c'est globalement que, bah, en fait, dans notre cas, on a globalement 50 applications avec 50 développeurs. Bah, on va se dire qu'en moyenne, les développeurs, ils vont chacun avoir besoin d'une nouvelle application déployée, peut-être deux, mais je l'ai compté avec un. Et du coup, on arrive à un peu plus de 1 000 $ par mois, ce qui, et je vous l'affiche en grand, représente 70% de réduction de coût par rapport à ce qu'on avait fait au premier essai, ce qui est quand même très sympa. Voilà, du coup, globalement, je pense que ce qu'il faut retenir de cette présentation, au-delà du côté header routing, etc., c'est que quoi qu'il arrive, Argo CD, je l'ai dit et je le répète, c'est vraiment génial. Nous, on a découvert cet outil il y a 1 an et demi, 2 ans chez Paddock et on le met vraiment partout. Le header-based routing, bah, c'est génial, mais bah, ça rajoute quand même un overhead de complexité et donc c'est peut-être pas pour tout le monde non plus. Voilà. Si quelqu'un a des questions. Ouais. J'ai une remarque très vite même pour tout le monde. Si jamais vous voulez lancer dans Istio, il y a une boîte française avec des experts, qui s'appelle Glue, qui est très peu connue malheureusement, mais c'est des cadors en Istio et qui bossent plutôt à l'international et pour assez peu de boîtes françaises, c'est dommage. Mais voilà, ils ont un système de routing, ils ont un Istio à eux qu'ils ont custom, etc. Mais ils font aussi de l'expertise Ok. dessus pour des gros clients parce que. Dedans, mais il y a des boîtes françaises avec des experts français sur ça, donc des contributeurs, etc. Ok. Donc la boîte c'est Glue, GL Glue comme de Glue. la. Ah, pas comme de la glu. Non, c'est Glue là-dedans. Et ils ont pas mal d'outils, même open source autour de ça. Ils ont une Gateway API qui sont en train de développer autour de Envoy, etc. etc. Donc, voilà, mais donc on a des experts français pour Ouais. ce genre de sujet-là et ça c'est cool. Mais c'est pour Ah, ça que je voulais je dis pas qu'on n'arrive pas à gérer Istio, je dis juste effectivement si souvent ce qu'on voit dans les startups c'est des fois t'as un SRE et souvent en fait c'est un Ouais, c'est ça. développeur qui s'occupe de maintenir le cluster, enfin maintenir les déploiements au début si jamais ils vont sur Cube. Ouais, Faut peut-être pas installer Istio dans ce cas-là quoi. d'accord, mais voilà, c'était si jamais un jour vous êtes une grosse boîte, etc., qui a des problèmes là-dessus ou qui a envie d'y aller, bah voilà, il y a des experts, il y a des gens qui peuvent aider là-dessus. Moi j'ai une petite question, je connais pas bien du coup Argo CD, mais pourquoi c'est aussi cher? Parce que je me dis là en fait, du coup, c'est énorme, c'est le coût principal finalement. Ouais. Donc c'est quoi? C'est parce que Alors, typiquement il y a une UI, un truc qui watch ton repo, enfin comment ça se Argo fait que ça CD, il passe vient à ce avec point? plusieurs composants. Du coup, dans notre cas, tu as l'application controller. Pour quand tu sers des application sets, tu as l'application set controller aussi, forcément. Tu as le Argo CD serveur, tu as le Argo CD deck serveur, tu as le Argo CD repo serveur, et tu as le Argo CD Redis queue. Parce que c'est tout passe par une queue. Pourquoi ça coûtait aussi cher? Normalement, ça coûte pas aussi cher. Nous, ce qui s'était passé, c'est comme on avait vraiment du mal avec la synchro, on avait vraiment mis Argo CD sous stéroïde. Donc en fait, il s'avère que le repo serveur pouvait enfin, gérer très bien le fait de déployer plusieurs fois. Donc en fait, on avait déployé 3 ou 4 réplicas du repo serveur qui consommaient chacun un CPU. L'application set controller, au bout d'un moment, depuis la 2.2 ou la 2.3, peut être multithreadé. Donc on lui avait donné 3 CPU. Et plus on en redéployait à chaque fois un petit. En pratique, là, comme je disais, j'ai pas changé les coûts. J'ai pas refait le calcul parce qu'en fait, on est chez les deux clients, on est dans des environnements trop différents pour qu'en réalité ce soit comparable. Argo CD, du coup, dans ce cas-là où tu as besoin que de déployer entre guillemets l'installation de base sans forcément lui mettre des grosses grosses perfs, il va te coûter moins cher que ça. Je peux rebondir là-dessus. Justement, j'ai fait un projet récemment où on a déployé Argo CD vraiment pour deux fois, deux, trois bacs, enfin rien d'exotique, tu vois. Il a quand même une consommation genre, de base qui est assez élevée à cause du polling, etc., Ouais. qui est fait sur les repos. Et le fait qu'en fait, bah, il est constamment en train de voir ce qui se passe dans le cluster. En fait, là, l'idée.
l'idée, c'est qu'il arrive à maintenir son dashboard parce que tous les events du cluster, il les regarde. Et du coup, mine de rien, plus il y a d'activité sur le cluster, plus on fait un vrai usage de cube, plus hard OCD il a du travail. Ça correct, sur un petit projet, honnêtement, ça correspond à peu près à la consommation de base d'un Prometheus. Il est un peu plus gourmand en CPU que Prometheus, un peu moins gourmand en RAM. Même Prometheus de base, tu vois, il va te boucler genre 1 giga de RAM, tu te demandes pourquoi, tu vois. Après, un peu, ouais, c'est ça peut m'aider. Bah, il est codé par des gens sous coke, hein. Enfin, c'est vraiment, c'est codé comme de la merde. ouais, ils ont pas le temps, les mecs qui font la tirée. Ouais. Donc, non, si jamais tu veux moins de performance, enfin, moins de coûts, il y a Flux, qui est en fait la Rolls du GitOps, mais qui n'a pas de UI. Qui n'a pas de UI. Ouais. Parce qu'on sait que les gens veulent dessiner, mais le projet le mieux construit dans ce genre de choses-là, c'est Flux, qui pour le coup. Et du coup, comme dit Arthur, en fait, Argo, il va à Paul, en fait, ce qui se passe sur ton repo régulièrement. Alors en pratique, tu peux lui configurer des webhooks et du coup lui dire, bah, en fait, ne Paul ce qui se passe sur le repo qu'une fois par jour et en fait, ne trigger que avec des webhooks. Mais ça va pas. En fait, à chaque fois que tu vas avoir un event sur ton repo, ce qui risque d'arriver assez souvent sur un repo de GitOps, Argo CD il va regarder ce qui se passe, quoi. Non, moi je suis pas. Mais log via l'interface qui essaye d'être plus. Moi je me mets chez des mauvais clients, quoi. Enfin, Argo, moi je suis un énorme fan et j'assume totalement via et tout. J'assume le fait d'aimer Argo aussi, il n'y a pas de. Mais je n'avais jamais testé Flux, c'est pas possible. Nous, l'idée principale, en fait, si tu veux, nous, sur la première mission, on nous a clairement dit, en fait, l'environnement de dev, il doit être maintenu par les devs. Les ops, ils interviendront pas. Donc, en fait, le fait d'avoir une interface graphique pour expliquer aux devs ce qui se passe dans le... CTL, et si jamais tu leur mets du CanFS, etc. Enfin, en gros, si jamais ils doivent toucher à Kubernetes, en fait, le problème de Argo, c'est que ça abstrait Kubernetes contre les gars, et ils comprennent rien, et à chaque fois, ils appuient sur le bouton, ça marche pas, et après, ils ont tout cassé. C'est là où je suis pas d'accord avec toi. Quand on met du Argo sur les projets, c'est la première fois où j'ai quand même un dev qui est venu me voir et qui m'a parlé d'un service Kubernetes. Ils ont aucune. Bah, avant ça, ils savaient pas que c'était. Ouais. Parce que quand tu fais un kubectl get pod, tu vois pas tes services, tu vois. Il y a aucun moment où un dev fait un kubectl get service. Par contre, avec le UI Argo, lui, il voit, ah ok, donc j'ai un deployment, ça je sais ce que c'est. J'ai un config map, ça je sais ce que c'est. J'ai un service, c'est quoi ça? Et en fait, ils ont commencé à poser des questions et ils sont instantanément montés en compétence parce que du coup, on leur montrait la réalité. Ouais, mais ça, t'as des outils, enfin, j'espère que vos clusters vous mettez un launcher devant pour gérer l'authentification ou des choses comme ça. Il y a déjà des interfaces qui existent pour ça, mais en fait, genre, moi j'ai envie d'avoir un outil qui fait une chose et une bonne chose, c'est-à-dire faire des déploiements et pas bouffer 15 gigas de RAM. Et pas avoir. Ouais, enfin, bouffer 15 gigas de RAM quand t'as 6000 déploiements, bon, ça me paraît ok, tu vois. Vous avez pas ce qu'un giga de RAM. Et finalement, le caching, l'indexation, etc. Genre, en fait, le truc, c'est qu'il fait énormément de choses. Hein. Beaucoup plus que Flux. Genre, l'ambition du projet est très différente. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont divergé. Tu vois. Et genre, je dis pas Flux, c'est pas bien, ça l'est. Tu vois. C'est le truc qui a lancé le délire. Là. Moi, je suis extrêmement reconnaissant en fait, de vous voir, c'est un truc pareil. Tu vois. Mais aujourd'hui, Argo CD, ils ont mis beaucoup plus d'ambition sur justement avoir un énorme écosystème autour de Argo Workflow, etc., qui juste essaie de résoudre tous les problèmes de CI/CD. Flux, ils sont là en mode, on fait de la CI GitOps Cube. Mais Argo CD, ils sont en mode, nous on va faire toute ta CI, mec. Mais ça, c'est pas le même délire. Bah, c'est peut-être un problème, non? Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas envie qu'Argo fasse la CI. C'est un projet ambitieux, en fait. Que toi, t'aies pas envie qu'Argo fasse. Ça permet d'unifier tout derrière un outil, tu vois, et c'est quand même. Un anneau pour les contrôler tous. Exactement. C'est très bonne idée, ça a très bien marché. Merci beaucoup, Sacha. Et du coup, on suit le prochain.